Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Nous avons vu dans la vidéo 8 comment transférer un fichier exécutable dans le gestionnaire des médias. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer un lien vers ce fichier. On va lancer notre navigateur. Ici, par exemple, je souhaiterais, quand je clique sur cette petite icône, automatiquement, j'ai le fichier exécutable qui va se lancer afin que l'utilisateur puisse le télécharger. On va se rendre directement dans Gestionnaire des médias, dans Utilitaire. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment transférer ce fichier exécutable. Donc, il suffit de faire un copier de ce lien, le chemin. En attendant, je vais le mettre ici. Ensuite, je vais faire un copier de nom de mon logiciel. Je reviens ici. Je vais faire un slash. Voilà, il faut bien nettoyer. Donc, on a image, stories, utilitaire, technique center, informatique.exe. Donc, on va prendre le chemin. Ensuite, on va se rendre directement dans notre article que j'avais déjà préparé auparavant. Il se fait de sélectionner l'image, ensuite de se rendre directement ici et de faire un coller. Donc nous avons fait copier, coller. Donc on va se rassurer qu'on va c'est OK. Image, stories, utilitaire, techniques, center, informatique.exe. Normalement tout est bon. Voilà, ben écoutez, on clique sur Update, ensuite sur Appliquer. Donc là, on n'a pas. On va actualiser notre page. Et là, ça change. On clique dessus. Et le fichier s'en lance. Voilà. Donc, on clique. Et l'utilisateur, il peut enregistrer le fichier. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur netprof.fr. Au revoir.